Où vous trouve quand Allah subhanahu wa ta'ala cause le bon verbe, cause le bon action, li servi pluriel. Regarde-moi ici. Akhrajna, nous vin retirer. Pourtant, comme Allah est là, un seul Allah. Mais li servi li au pluriel. Quand il est cause concernant la descente du Coran, qui lui dit Inna anzalna, nous fin faire descendre. Pourtant, comme Allah est là, un seul. Mais seulement quand il cause concernant lui, Allah subhanahu wa ta'ala même lui. Vous avez la paix cause concernant lui? Non. La paix cause concernant lui en tant qu'action qu'il fait. Ça qui nous appelle ce man attribut. Là, il y a au pluriel parce qu'Allah fait beaucoup de choses. Quand nous cause concernant ce man attribut, là, il vient au pluriel. Inna, nahnu nazalna. Là, il cause au pluriel. Mais quand il cause concernant ce that qui veut dire li Allah. Là, il cause quoi? Comment nous connaît? Quand il cause avec Moussa alayhi salam, qui lui dit Moussa alayhi salam? Innani. Anna Allahu la ilaha illa ana. Quand il cause concernant lui-même, lui, ce that, Allah subhanahu wa ta'ala, là il y a mis le singulier, parce qu'il n'existe pas de toucher. Mais quand il cause concernant son action, il y a mis au pluriel, parce qu'il fait beaucoup de choses. C'est pour ça que le Coran ne vous trouve qu'à cause de son action d'Allah subhanahu wa ta'ala au pluriel, parce qu'il a ses attributs qui causent. Mais quand vous cause concernant lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala, comme dans surah 20, surah Taha, il dit Innani ana Allah. C'est moi, Allah, qui amène au singulier. Donc, au singulier, il vient concernant ce dhat, li Allah, et au pluriel, il vient concernant ce ban action.